Voilà. Là, je pousse le siège comme ça et je dors. C'est important quand on est au volant, on a un peu sommeil, on s'arrête, on dort. Moi, quand j'ai un peu sommeil, je m'arrête et je dors. Même si c'est 10 minutes. Là, il est quelle heure? Il est midi. Il est 13 heures. J'ai dormi pratiquement 1 heure. Je vous assure. Et je me couche comme ça, je dors. Allez, continuez à me suivre. Hello les amis, deuxième arrêt. Ouais, quand je voyage. Ah là là. Heureusement qu'il fait beau. Heureusement qu'il fait beau. Donc je prends tout mon temps. Je m'arrête parce que je suis fatiguée. Et là, ça va. Je vous montre, il fait très beau. Il y a du soleil partout, partout, partout. Ce sont des zones d'arrêt, comme on dit, des aires de repos en fait. Voilà. Donc là, je pars au Cameroun. Donc c'est le deuxième arrêt. J'ai fait un arrêt tout à l'heure. J'ai besoin de m'arrêter. J'ai besoin de m'arrêter, sinon je m'endors. Et voilà. Donc j'ai besoin de m'arrêter. Dès que j'ai un petit coup de barre, je m'arrête, surtout que je me suis couchée tard. Alors j'espère que vous allez bien. Hein? On continue. Alors je vais vlogger pendant tout mon séjour au Cameroun. Ce qui m'énerve, c'est qu'il pleut. Pareil qu'il pleut. C'est la saison des pluies et ça me, ça m'a cassé quoi. Vraiment. Il pleut, il pleut, il pleut. Mais bon. Les ventes privées, c'est dimanche. S'il pleut, ben, c'est mort, hein. Les ventes privées, sous la pluie, là, c'est pas trop, trop marrant. Allez. Ouf, allez, je prends la route. Je continue, je prends la route. Tout à l'heure. Il y aura diagnostic de peau. Ah oui, la petite Therma. Non. La petite boutique s'est dotée d'un outil très performant pour diagnostiquer votre peau. Ainsi, tu sauras si ta peau elle est grasse, si ta peau elle est mixte. Tu sauras comment adopter une bonne routine quand on va te dire, voilà, ta peau, il y a des pores, il y a des taches, il y a beaucoup de mélanine sous-jacente, attention à l'hyperpigmentation, etc. Tout ça, le 19 mars. Alors, l'entrée, c'est 7 900. Et qui donne droit, bien sûr, à un brunch, un open, donc toute la journée. Mon Dieu, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Donc, un brunch toute la journée, à manger, à manger, à manger, à manger, à boire. Non-stop toute la journée. Et qui donne droit, bien sûr, à la vente de produits à petit prix. C'est-à-dire que vous allez avoir des savons moins chers, vous allez avoir certaines crèmes vraiment moins chères, vous allez avoir certaines lotions moins chères, etc. Et puis, voilà, on va s'amuser, on va rigoler, on va faire des photos. Bon, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Alors, si tu achètes ton billet avant le jour J, avant le 19 mars, tu l'achètes à 6 900. C'est-à-dire que, c'est voilà, si tu anticipes, tu achètes à 6 900. Si tu n'es pas sur place, c'est-à-dire que si tu n'es pas à Douala, mais que tu as envie d'assister à la vente privée, tu as la possibilité, à hauteur de 5 000 francs, tu peux faire ta commande, d'accord? On mettra à votre disposition une liste de produits, une liste de prix, et comme ça, tu pourras faire ton choix. Voilà. Alors, je t'attends le 19 mars, j'y serai. J'y serai. On va faire la fête. Au 19 mars. It's the end of now, just starting. Hallelujah. All your problems never stop talking now. Hallelujah. Well, I love plenty. You wake up today, you day breathe. Count your blessings, make you see. Yeah.
Ah, voici Charles de Gaulle. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Je suis à Paris en train d'attendre mon train pour Bruxelles. Parce que je fais la correspondance. J'arrive à Bruxelles et je prends mon avion. Je ne sais pas le train. Je prends mon avion pour Bruxelles. Et du Bruxelles, je prends l'avion pour le Cameroun. Ouf, le voyage, c'est vraiment... C'est-à-dire que le voyage est le plus stressant que le voyage. Surtout quand il s'agit de peser les bagages, maman. Seulement que combien de kilos on va te donner, est-ce que tu as bien pesé, un stress, c'est-à-dire que quand tu finis de peser tes bagages, tu as l'impression que tu as réussi un concours. Allez, on continue, continue de me suivre. Je vais vlogger tout mon séjour au Cameroun. Ciao. Oh non, il y a le test. Il y a le test Covid. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh. Il y a encore le test. On va juste mettre les cachets. Ah, ok. Ah, d'accord. Vous avez déjà rempli la ville, j'espère. Oui. Ah. Il n'y a plus le nez. Il n'y a plus le nez, hein. Alors vous avez quel âge, votre père? 60 ans. Il n'y a plus de vaccin. On remplit juste une fiche et il n'y a plus de vaccin. Tant mieux parce que vraiment, le vaccin, on remplit juste une fiche. J'en pourrais plus là. Oh. En plus, il fait chaud. Donc voilà, je suis bien arrivée. Je n'ai pas encore récupéré mes bagages. Sinon, ça va. Le voyage s'est très très bien passé. Et voilà quoi. Voilà.